Yakiri et le groupe de Contrada qui sont dans le dernier tour. Merci, je vous remercie avec d'autres coureurs qui ont été cités sur les livres de la Commission de la Raja. Je suis content de vous avec Jean-Levant, nous sommes également avec Léo, nous sommes également avec le société de la 26 qui va prendre le meilleur. On s'interroge avec Dumois sur l'ouverture, ce sera l'arrivée. On va les accueillir comme il se doit avec l'ensemble des coureurs. Oh là là, quel sprint avec le coureur vendéen, donc la démonstration qui a frôlé l'impertinence. On était bel et bien sûr l'ouverture avec Lucas Boniface, celui qui a été le vainqueur d'étape sur le circuit du Benoît, deuxième de la route bretonne, le coureur de Limoges qui s'impose, celui qui avait été également sur le podium des plages vendéennes, superbe sprint avec le coureur de Vendée Pays de la Loire. Voilà d'autres concurrents qui viennent d'en terminer, concurrents qui faisaient partie tout à l'heure du groupe de tête, avec ici l'arrivée du Dossard 82 porté par Lucas Caro, l'homme de la formation de Dinan Sport Cycling. On retrouve ici au Dossard 24 un coureur de la formation du guidon Chalétois, le Sco Dijon ici avec au Dossard 63, c'est Yann Grand qui vient d'en terminer devant le Dossard 156 porté par Pierre Thierry, celui qui avait attaqué à quelques tours de l'arrivée et qui a été repris dans le dernier tour. Merci, merci Jean-Yves. On va remercier également les autres coureurs dont ce sera l'arrivée. Félicitations notamment avec le coéquipier du vainqueur qui vient d'en terminer à son tour. C'était l'arrivée avec le Britannique Benjamin Pitvis qui avait remporté l'étape, ainsi que le classement général sur le Tour de l'Ain avec son protégé David Boutville qui était sur les avant-postes de ce podium. Merci de les encourager à votre manière. On sera notamment avec Nicolas Sillon qui a été pris en dépôt avec les coureurs. Je crois savoir...